Eiji Matsumoto a beaucoup apprécié le dossier de présentation, même s'il n'était pas du tout finalisé, même si Mémoire de l'Arcadia ne s'appelait pas encore Mémoire de l'Arcadia, mais Journal de bord du Capitaine Albator. Il y avait beaucoup de choses qui ont été changées depuis, mais le premier contact a été très positif avec Matsumoto. On collaborait depuis le début du projet, hein, depuis 2014. C'était évidemment des allers-retours par mail et par éditeur interposé aussi pour valider chacune des étapes de la bande dessinée. C'est pas juste une validation, mais c'est une vraie collaboration entre le Japon et nous. Dans ses retours, souvent il me disait ce qu'il aimait, ce qu'il avait envie de voir, etc. Et beaucoup de mails d'encouragement et de soutien. Et ça, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais quand tu reçois comme ça des messages de celui qui est l'auteur original de l'œuvre sur laquelle tu es en train de travailler, qui sont des messages d'encouragement, ça donne vraiment beaucoup plus de force pour donner le maximum derrière. Pour Mémoire de l'Arcadia, la première question que je me suis posée, c'était de savoir si on partait sur de l'inédit ou si on devait partir sur une histoire déjà écrite par Eiji Matsumoto. Là-dessus, l'auteur a été clair. Je pouvais absolument travailler sur de l'inédit à condition que je respecte l'ensemble des contraintes qui m'avaient été demandées, à savoir la fidélité des personnages, de leurs relations. Donc j'ai choisi l'inédit. Et la question aussi se posait de savoir si on partait sur du 78 ou du 84. Là-dessus, j'ai clairement choisi 78, d'abord parce que j'adore la série de 78, mais aussi parce que je travaille avec Akita Shoten, qui est l'éditeur japonais de Eiji Matsumoto, et le manga qui existe d'Albator, c'est la série 78. La technique qui est utilisée pour Mémoire de l'Arcadia, elle est assez particulière. Je travaille plus un peu comme un dessin animé que comme une bande dessinée. J'ai pas de planche originale, par exemple. C'est plutôt des cases originales, en fait. Chaque dessin est fait indépendamment les uns des autres. Parfois même le décor est fait indépendamment des personnages eux-mêmes. Et après, je traite chaque personnage à part, chaque décor à part, les effets spéciaux à part aussi. Je fais un peu de compositing, en fait, comme un dessin animé. C'est ma façon de travailler qui me permet d'avoir le plus de liberté aussi pour corriger peut-être des petites choses que je voudrais corriger par rapport au storyboard. Et puis voilà, ça me permet une plus grande liberté, ça me permet de grossir ou de diminuer certaines images que je me rends compte qui méritent d'être vues en plus grand ou au contraire qui méritent moins et qui sont mises en plus petit. Ça me permet de bouger aussi plus facilement les bulles de ma page. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Au niveau de la réalisation de chacune des cases, ça se fait en plusieurs étapes. On commence par le crayonné avec la mine bleue. Ensuite, c'est ancré soit avec des stylos feutres encre de Chine, voire feutre pinceau encre de Chine rechargeable, soit des stylos feutres pigmentaires. Et de cette façon-là, après c'est scanné. Je rajoute toujours les petites délimitations en bleu, aussi avec la mine bleue, pour délimiter les zones d'ombre et de lumière. Et je me sers de cette base de délimitation pour faire après la colorisation, une fois le scan effectué, où j'ai plus que le blanc et le noir à l'écran, pour respecter justement cette délimitation de couleur. L'exigence que je pouvais avoir, elle était très très forte, parce que quand je m'attaque à Mémoire de l'Arcadia, je suis dans la peau, attention, toute comparaison gardée, mais je suis dans la peau de Peter Jackson à qui on dit tu vas faire le Seigneur des Anneaux, quoi. Je suis J.J. Abrams à qui on va dire tu fais la suite de Star Wars. C'est je fais le Capitaine Albator, quoi. Donc je me suis mis des exigences vraiment très très importantes. Derrière ça, il y avait aussi des contraintes du Japon, évidemment. La contrainte principale, c'était la fidélité à l'œuvre originale, le fait de rester dans la lignée de ce qu'il avait créé, de ne pas dénaturer les personnages, ça c'était un premier point. Et le deuxième point qui était très très important, c'était de travailler sur la bonne fidélité aussi du relationnel des personnages. C'est-à-dire que s'il y avait une amitié dans son œuvre à lui, il ne fallait pas que ça se transforme en histoire d'amour ou autre chose, etc. Donc travailler justement sur la relation entre Albator et Tochiro, entre Mime et Albator, entre la petite Stélie, Mayu en japonais et son parrain Albator, tout ça c'était des choses que j'avais envie de traiter et en plus que j'avais envie de traiter dans la lignée de ce que Eiji Matsumoto avait pu faire.
en termes d'antagonistes, les sylvidres, elles sont absolument magnifiques. C'est des roses avec des épines. C'est des amazones, d'ailleurs, leur vrai nom, c'est des amazones en japonais. Donc c'était impossible pour moi d'envisager de faire Albator sans les sylvidres. Mime est aussi un personnage, enfin Clio, celle qui joue de la harpe, est aussi un personnage vraiment, vraiment intéressant. J'ai essayé d'ailleurs à travailler beaucoup la relation entre Albator et Mime. Ça fait partie d'une des questions que j'ai vraiment clairement posées à l'éditeur et aussi à Leiji Matsumoto, à savoir pour eux, quelle était vraiment la relation entre les deux personnages. Et Leiji Matsumoto m'avait répondu, c'est une profonde amitié qui traverse l'espace et le temps. Albator, c'est aussi pour moi les moments de silence. C'est pas que je tire dans tous les sens et je suis un pirate, c'est les grands moments de silence où il est dans sa cabine, où tu entends les craquements de l'Arcadia, et puis tu entends la harpe de Mime. Et tout ça, ça crée une véritable ambiance. C'est un vrai amour qu'il y a à la base, c'est une vraie passion que moi j'ai vécu pendant 25 ans avec le Capitaine Albator et puis quand Mémoire de l'Arcadia sera terminée, je continuerai à dessiner du Albator jusqu'à la fin de ma vie.